c'est une question qui ne peut pas se penser de façon générale sur tout le territoire français, parce que chaque ville a ses spécificités. Nous, on est une ville touristique. Est-ce qu'on doit permettre aux touristes de circuler gratuitement, alors que c'est les Niçois et les métropolitains qui payent des impôts? Pour moi, non. Il faut donc plutôt privilégier des transports le moins cher possible pour les métropolitains et les Niçois, de façon à ce qu'ils abandonnent la voiture.